Nous tous connaissons que bleu pour garçon, rose pour fille. Mais ça pas pour majorité l'histoire de l'humanité. Et avant le milieu du 19e siècle, là, tout petit bébé, mâle et femelle, intersexe. Dès qu'on mettait robe blanche. Robe blanche parce que c'était facile pour laver, facile pour changer de diaper. Si mon en général, nous avons une image ça là, m'a fait une fois dans TikTok là. Dès qu'on habille de manière neutre, mâle et femelle, jusqu'à ce que y en a 6-7 ans à peu près. C'est dans tournant 20e siècle là que couleur pastel yo vient à la mode pour petit monde habillement. Mais yo pas à la mode dans façon nous connaît aujourd'hui. Rose t'est égal masculinité et bleu t'est associé à féminité. Gien publication commerciale de 1918 une chose infinie qui montre nous ça clairement. Si m'pa rive écrire nos publications dans TikTok là, m'a écrit pour nous dans caption là. M'a dit nous ça le dit. Ça qui généralement accepté pour garçon, c'est rose. Pour fille, c'est bleu. La raison c'est parce que couleur rose là, c'est une couleur qui pi fort, qui pi décidé, donc les pi approprié pour garçon. Pendant que bleu a pi délicat, donc il pi approprié pour fille. Et c'était la règle dans les grands magasins jusqu'à 1948. Ça qui vient de passer après ça fait débat. Il y a fait débat sur ça jusqu'à maintenant, mais n'a permettre de partager une théorie que moi remet avec nous. À la même époque, il y a une idéologie de New Woman. Moi, c'est si on tape de New Woman sur internet là, n'a besoin plus, etc. De New Woman maintenant en vogue, qui ça le représentait, c'est fille qui masculine, qui mettait pantalon, qui gagne carrière, bla bla bla. Et du coup, pour bon supposer que c'est pour briser et normes genre yo, je te qu'on présenter madame ça en rose. Dans l'illustration que te qu'on vient le plus souvent te présenter en rose. Donc peut-être que magasin était venu obligé pour qu'à keep up pour qu'à arrêter avec le temps, marcher avec le temps, obligé venir faire changement ça à tout. C'est pour ça que je trouve ça vraiment drôle, les jours de regarder tout conservationnisme, tout ça qui gagne rapport avec bleu pour garçon, rose pour fille. Ça qui est drôle, vraiment ça drôle, parce que 100 ans de cela, il n'y a pas de comme ça. Et façon indoctrination, en fait, façon que dans moins de 100 ans, il arrive à convaincre nous, la majorité que bleu est celle qui a celle de métier et rose est celle qui a celle de métier, alors que nous faisons tout tourner pratiquement. Ça a vraiment montré que à qui point idéologie tout ça qu'il y a avec Jean, c'est un bagage qui est fait de manière arbitraire. Bonne journée.